Donc on a eu M. Mouilleux qui est resté avec nous pendant près d'une semaine, voilà, pour former un peu tous les technico-commerciaux ici, ainsi que les techniciens boulangers. Ça a été une formation assez belle, voilà, très, très enthousiaste dans l'ensemble. Je pense que chacun a appris beaucoup de choses à travers cette formation-là. Et donc, je vous demande déjà de dire merci et d'acclamer France Réel Espoir qui est avec nous, avec son président. Voilà, M. Gali. Voilà, c'est un partenariat très fort qui va se renforcer dans les années à venir. Là, je passe sous le contrôle de mon directeur général. Voilà, et donc, nous espérons qu'encore les années qui vont venir et les mois qui vont venir, cette collaboration, ce partenariat va de plus en plus nous aider à avoir une technologie de pointe. Voilà, dans les différentes boulangeries, dans l'assistance technique que nous allons avoir avec nos partenaires. Alors, sur ce, nous allons démarrer la cérémonie. Nous allons laisser notre directeur général dire un mot à ce sujet-là, au niveau de la formation de cette coopération. Et puis ensuite, nous passons la parole au formateur, voilà, pour essayer de résumer un peu ce qui a été fait. Et puis, comme nous avons aussi un expert à maison, il dira quelque chose par rapport à cette formation. Et par la suite, nous allons voilà, partager quelque chose. Voilà. Je voulais juste renouveler les remerciements des GMA à l'endroit de France Export Céréales. C'est une formation qui, je pense, vous a été profitable. Quand on voit ce qui a été fait, j'en doute pas. Et donc, bravo, merci à France Export Céréales et bravo aux stagiaires. J'espère que ces stages vous seront utiles. J'espère aussi qu'on continuera le partenariat. Je pense qu'ils ont été, aux petits soins pour réaliser ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, tout ce support technique, technologique qu'on a apporté au début, et puis un petit peu voilà, l'analyse en fait, donc, des produits pour essayer de développer leur sens et puis leur capacité à réagir sur les différents défauts et choses qui sont confrontées au quotidien. Donc voilà, et puis je leur remercie aussi de l'intéressement qu'ils ont eu sur les deux autres derniers jours de formation où l'on a vu un petit peu sûrement la fabrication de demain ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce que l'on voit actuellement, mais c'est déjà préparer l'avenir. Voilà. Soit de nous renouveler de temps en temps afin que nos boulangers soient beaucoup plus performants et que la boulangerie ivoirienne puisse être développée dans l'avenir. Sur ce, je dis merci à tout le monde. Merci. Bonjour à tous et puis félicitations surtout à vous tous, les stagiaires qui avaient vraiment bien travaillé, d'après ce qu'on peut voir. Je suis producteur de céréales en France. France Export Céréales, une association de producteurs de blé, hein, qui effectivement travaillent à la promotion de nos céréales dans les différents pays du monde qui achètent du blé français. Monsieur Stéphane l'a bien dit et c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous, Grand Moulin d'Abidjan, parce que vous avez une longue histoire de meunerie, vous connaissez bien nos blés, la façon de les travailler, comment les mettre à disposition des boulangers pour en tirer le mieux. Et déjà, nous, au niveau de nous, producteurs de céréales, on fait tout pour que la qualité des blés que l'on produit convienne bien justement aux usages des différents clients dans les différents pays. Donc c'est important aussi de vous accompagner tant que faire se peut dans la formation à l'utilisation des blés et des farines pour en faire le pain et la boulangerie de demain, comme vous le disiez tout de suite. Parce que moi, je me rappelle, il y a 35 ans, quand je suis venu, j'achetais un petit peu de pain au bord de la route, mais le pain, vraiment, ce n'était pas tout à fait ça. Maintenant, il y a vraiment du progrès qui est fait. Et on voit maintenant aussi, on a vu ce matin notamment, comment les boulangeries se développent et les techniques se développent. Donc, c'est vraiment important, je pense, que vous soyez sensibilisés à vous professionnaliser, à mieux travailler les matières premières. Et pour France Export Céréales, c'est vraiment un honneur de pouvoir être le partenaire dans ce chemin de progrès au service de la qualité
pour tous. Donc merci, félicitations à tous, félicitations à Aurélien. Je pense qu'il y a l'air d'avoir eu une bonne ambiance, donc c'est que le message est bien passé. Il m'a dit qu'il était vraiment content des élèves, entre guillemets, que vous êtes, en tout cas des stagiaires que vous êtes. Donc félicitations à tous. Et puis on va peut-être regarder de plus près alors maintenant ce que vous avez pu faire comme travail. Alors, la première personne, c'est BTB Wilfried Carmen Goré. Ce qu'il appelle, j'y sais plus rien. Si ton bonheur, tu, ça viendra, prends courage. Monsieur Ali Traoré. Monsieur Kwasi Charles Kwame. On n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée, nous allons la franchir ensemble. Because au décès, Monsieur Kwasi Armand Kanga. Toi ou des, le vent souffle à ma faveur. Ijole. Vieux berger, minimax. Monsieur Beugré. Richard et Fabio. Un garçon n'a pas besoin d'être joli. Ça ne paye pas si mal. Tu dois plutôt t'être travailleur. Maintenant c'est clair. Monsieur Kwame Christian Oufoué. Oh, oh ouais. Ta vie est tuée. Où tu es? On n'est pas né sous la même étoile. Si tu veux qu'on te lave le dos, faut d'abord laver ton vin. Monsieur Djangwa Kone. Que pitié, tu n'es pas. Mademoiselle Bassara Raoui. Olivier de Pékin. Tout notre talent gâché, oui, c'est douloureux. Monsieur Kwasi Roger Gay. L'année de mon année.
va remettre le présent à, de tous les stagiaires. C'est une petite reconnaissance à Aurélien qui l'a formé. Voilà. Notre Aurélien. Et ça, c'est un petit sac en bandoulière. Ben, je vous remercie. Pour les petites balades. Et il y a quelque chose dedans. Oui, c'est bien dedans. Et puis. Ça, c'est un porte-clés éléphant, un petit bracelet pour poignet. Et ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est écrit Africa. Comme ça, vous n'allez jamais nous oublier. Ah, ben, merci. Merci à vous en tout cas. Merci. C'est toute la filière qui est représentée ici. Je suis très heureux de vous accueillir au GMA. Je vous remercie de cette formation. Je félicite les stagiaires et je vous invite maintenant à partager ce que vous avez fabriqué. Merci à tous et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres formations comme celle-ci. Merci. Merci. Plus aux stagiaires ce matin. Donc, si vous voulez en déguster un petit morceau, allez, venez ici. Et puis, Il faut garder le bar pour les musulmans. Donc là on a collé aussi qui a aussi œuvré pour proposer quelques encas supplémentaires. Donc je crois que c'est en libre service. Voilà. Bonjour à tous, donc Aurélien Lemouillour, formateur à l'INBP en France. Donc là je suis au Grand Moulin d'Abidjan où j'ai passé une semaine de formation. Donc le but c'était d'échanger avec les démonstrateurs du Grand Moulin. Donc on a échangé sur le savoir technologique de la boulangerie avec vraiment rentrant dans ce qui se passait à l'intérieur du pain pour leur apporter un développement de connaissances là-dessus. Et donc voilà, on a vraiment débattu sur comment se passait à l'intérieur du pain. On a travaillé sur beaucoup de fabrications ivoiriennes pour mettre en évidence les défauts et expliquer comment il fallait réagir, donc ce qu'ils sont confrontés au quotidien dans les boulangeries. Et ensuite, nous avons œuvré pour faire une petite présentation sur des produits tendance, des produits français qui pourraient éventuellement intégrer dans leur production, éventuellement bientôt, quoi. Un échange qui était plutôt dynamique, les stagiaires avaient un fort appétit pour apprendre les nouvelles techniques, les nouveaux produits. Ils étaient très motivés, tout s'est très bien passé. Et voilà, je souhaitais leur dire un grand merci pour m'avoir mis dans de bonnes conditions et ce qui nous a permis de faire un bel échange autour de la boulangerie. Donc voilà. Merci à vous en tout cas. Au-delà de ce qui a pu être enseigné par Aurélien aux différents stagiaires, il y a aussi, je crois, quelque chose d'un esprit d'équipe qui s'est formé. Donc ça, c'est aussi important. Parce que pour que ce qui a été appris pendant ces derniers jours dure dans le temps, il faut qu'il y ait cet esprit d'équipe aussi qui perdure. Et puis, j'ai discuté avec les uns, les autres. Ils sont vraiment, je pense, se sont ouverts à quelque chose d'autre avec cette idée vraiment d'exploiter ça au mieux, d'exploiter ce qu'ils ont appris au mieux au service des GMA pour diffuser en fait les bonnes pratiques dans les boulangeries, aider en support et vraiment aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que j'ai eu l'occasion hier et ce matin de visiter des boulangeries
qui sont vraiment des belles boulangeries maintenant. Donc il faut vraiment que le meunier, donc les GMA, accompagne ces boulangers-là pour monter en gamme, pour faire un pain qui soit non seulement accessible à tous, mais surtout bon, beau, sain. Et tout ça, je crois qu'ils l'ont appris aussi, on leur a rappelé pendant ces trois jours-là. Et ça permet en fait à ce que, au final, toute la population profite de ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif, je crois. En tout cas, ça me fait très très plaisir d'être partenaire dans cette aventure-là. Voilà. Et bravo au GMA. Je dis merci au GMA, je dis merci au responsable de centre d'essai et à monsieur Lemouillot Aurélien qui vient de la France, qui est venu nous former sur certaines choses, sur beaucoup de vertus sur la boulangerie. Et je vous dis merci. Je suis boulanger de formation. Alors je remercie les responsables du Grand Moulin pour avoir occasionné cette formation en faveur des techniques commerciales, ce qui permet de donner aux boulangers un bon aperçu et une bonne tenue au niveau de l'intervention sur la farine en clientèle. Ce qui va nous permettre aujourd'hui d'être beaucoup plus concurrentiels, surtout dans l'efficacité et dans le rendement. Aujourd'hui, les boulangers ont besoin de formation pour mieux développer. Il faut être formé aux nouvelles méthodes et aux nouvelles techniques de développement dans le domaine de la boulangerie. Parce que la boulangerie est une science en même temps de l'art. Il faut aujourd'hui permettre à chaque Ivoirien d'apprécier la qualité des produits qui leur sont mis à la disposition. Je remercie les responsables des Grands Moulins d'Abidjan en association avec France Export Céréales pour la formation, le personnel des Grands Moulins d'Abidjan.